Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, comment dire? C'est le 2 janvier et c'est le gros bordel dans ma pièce. Donc, il faut que je range ma pièce, mon atelier, parce que, je sais pas, il y a eu une bombe. Il y a une bombe dedans. Donc, il faut que je range tout, parce que là, je ne peux plus rien faire, je peux même plus bricoler dedans, parce que voilà, il y en a partout. Bon, je sais que je ne suis pas la seule à être comme ça. De toute façon, une fois que ça va être rangé, ça va recommencer. Mais là, bon, j'ai un gros tri à faire dans un coin, je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, ça va être du rangement, tout au moins du matin. Et après-midi, on verra. Voilà. Donc, je vais vous emmener avec moi dans mon petit rangement. Voilà. Allez, on y va. Alors, voilà. Comment dire? Hein? Grosse bombe, hein? Là-haut, ça va. En bas, ça va pas. Le bureau, ça va pas. Là-bas, ça va pas. Là. Là, je peux rien faire, hein. C'est tous les diamond painting terminés. Voilà, à part les deux cadres du dessus, c'est deux pages de scrap que j'ai encadrées. Là, en dessous, il y a un petit peu de bordel aussi qu'il faut que je range. Là, ça va pas. Il y a un bordel, mais alors partout, partout, partout. Pourtant, je range régulièrement et puis à chaque fois, je cherche un truc. Voilà. J'ai honte, mais j'ai honte. Non, j'ai pas honte, hein, de toute façon. Bon, voilà. Là, par contre, c'est nickel. Bon, le dessous est nickel aussi. Hein, là, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et là, hop, ce sont des cartons que je garde au cas où j'aurais besoin. Il faudrait que que je les déplie pour que ça prenne moins de place. Donc, on va attaquer tout ça. Voilà. Allez, on attaque. On va commencer par le bureau. Thank you.
revoilà. Bon, en fin de compte, j'ai pas tout filmé parce que bon, je voyais que ça n'allait pas. Donc, je vous montre le après. Bon, j'ai pas fini de tout ranger. Mais bon, ce que vous entendez, je suis essoufflée. Donc, je vais faire ça en peut-être en deux fois ou trois fois. Mais là, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, ce qu'il y avait là, j'ai tout trié. Enfin, pas les étagères. Hein. J'ai pas trié les étagères, mais j'ai trié tout ce qui était par terre. Et j'ai descendu deux sacs poubelles de 50 litres pour vous dire qu'il y avait des cochonneries qui ne me servaient strictement à rien et qui ne m'auraient jamais servi à rien. Donc voilà. Et là, j'ai encore une petite boîte ici, vous voyez, et cette petite caisse à trier. Mais ça, bon, on verra plus tard. Hein. Là, pour l'instant, c'est bon. J'ai réussi à remettre toutes mes découpes de carton qui traînaient, pardon. Elles sont toutes dans cette malle. Là, j'ai retrié tout le grand carton qui est là. Celui-là, je le garde parce que dedans, il y a mes rouleaux de plastique, il y a mes rouleaux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je pense pas. Voilà. Il y a mon rouleau de liège. J'ai des rouleaux de papier noir, mais on ne verra pas bien. Et j'ai des rouleaux d'emballage, tout ça. Donc ce carton-là me sert bien. Puis j'ai encore des feuilles de carton de cartonnage. Donc celui-là me sert bien. Bon, elle, il faut que je réussisse à la revendre. Elle m'embête. Voilà. C'est un demi-mannequin. Il faut que je la revende. Je vais sûrement revendre aussi. Voilà. Ça, la tête. Là, bon, elle est noire, hein. On la voit pas bien. La tête, le porte-bracelet aussi en velours. Ça, je vais le revendre également. Je mettrai certainement, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais je ferai des photos et je mettrai ça sur mon Facebook, certainement. Je verrai, ou je ferai une vidéo avec des choses que je vendrai, que je ne veux plus garder. Donc là, j'ai rangé aussi ce petit coin-là. Avec le coin de mes tissus, voilà. Donc on voit un peu plus clair. Là, c'est mes bébés. Comme le calendrier 2020 est fini, c'est le calendrier de l'école. Voilà, oui, j'avais découpé en deux. Hier, ils m'ont ramené le calendrier 2020, 21, pardon. Donc là, je vais le scraper. Le bureau est rangé. Alors, vous allez me dire, ben non, il n'est pas rangé. Mais si, j'ai rangé, mais j'ai préparé tout pour faire mon nouveau rangement pour les tampons. Donc là, j'ai mes feuilles pour passer à la plastifieuse. J'ai des enveloppes, j'ai des cartes-stock. J'ai ça au cas où j'en aurais besoin. Bon, je pense pas. Il faut que je sorte encore, c'est ma plastifieuse. Voilà. Et heureusement, j'allais jeter ça. Toujours avec mes gnomes, là. Je dis, bon, ben, j'ai retrouvé les gnomes, le dice. Je vais mettre ça à la poubelle. Et puis, regardez. Il y avait encore deux dice dessus. Heureusement que j'ai fait attention, j'allais le mettre à la poubelle. Je vous le dis, celui-là, celle-là de planche, je ne sais pas. Hein. Donc là, bon, en dessous, je n'ai pas fait. Hein. On verra ça dans la semaine. Bon, mes diamond painting, bon, pour l'instant, restent là. Ils sont là bien. Personne les embête. Et il faut que je retrouve. Bon, ça, c'est du linge qu'on doit amener à la. Vous savez, les bennes à vêtements, là, pour le relais. Donc, il faut que je mette ça, que je le nettoie. Et puis que j'aille le mettre dans un sac pour aller le remettre dans une benne à relais. Et ça, bah, c'est tous les diamond painting. Et il y a aussi les cartes à gratter d'action. Voilà. Bon, bah, j'ai déjà bien avancé, hein, un petit peu. On commence à voir un peu plus clair. Donc, désolé, j'ai pas vraiment pas pu tout filmer en même temps, mais bon, mes cartons sont encore là, j'ai pas pu non plus les. Mais là, je suis vraiment trop essoufflée. Je vais faire ça en plusieurs fois. Et donc, voilà.
Donc pour celles qui n'auraient pas encore vu mon atelier, le voilà. Donc là-bas, c'est une partie de mes dies, hein, ça et ça. Donc voilà. Le tour du propriétaire. Mais bon, j'ai encore un gros triage à faire. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à vous remettre... Non. Alors, attendez. Hop! J'allais vous faire tomber. Allez, voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros, gros bisous. Alors, drôle de vidéo aujourd'hui. Mais bon, vous aurez, pour celles qui ne connaissaient pas mon atelier, vous l'aurez vu un petit peu comme ça. Vous aurez vu mon bordel. Vous aurez vu un petit peu mon rangement après. Bon, un petit peu, hein, j'ai pas tout fait. Hein, mais bon, j'ai plus 20 ans, hein, les filles. Je peux plus tout faire en une fois. Et puis en plus, là, je suis très fatiguée. J'ai passé une sale nuit, toujours à cause de... Voilà, ma langue. Pour pas réveiller Chouchou, j'ai été dormir dans le fauteuil, donc c'est pas l'idéal. Surtout que Pacha a voulu venir dormir avec moi, sur moi, donc c'était pas top. Mais bon, on essaiera de faire une petite sieste cet après-midi. Je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.